les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les béliers pour le mois de mars 2024. Donc bienvenue pour votre tirage, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans ce mois de mars. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, quel est le message qui vous est destiné ? Donc, nous avons la carte, nous avons Terre-Mère Sacrée avec ce message qui est juste, cette illustration qui est juste magnifique. Donc ici, on vous parle d'un message d'amour que vous allez recevoir. Donc pour vous les béliers, ici, on vous parle d'amour inconditionnel, on vous parle d'une reconnexion à votre cœur et à vos émotions. Nous avons aussi le chiffre 42, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Donc ce chiffre indique que vous allez recevoir des récompenses. Ça peut être aussi une reconnaissance qui va être présente concernant quelque chose que vous avez construit. Mais avec cette image, on voit aussi qu'il y a des liens qui vont pouvoir se renforcer. Peut-être aussi une relation amoureuse qui va être de plus en plus intense. Donc ça, c'est le message qui ressort pour vous et on va faire un tirage avec le Féri le Normand pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte des oiseaux et nous avons la carte de l'ours. Donc ici, on nous parle de communications qui vont être très intenses, où vous allez faire preuve aussi de courage, de force. Pour ce mois de mars, on peut nous indiquer aussi des discussions importantes avec une personne, mais ça peut être aussi des communications concernant un projet qui est en lien avec votre vie matérielle. L'ours nous indique aussi qu'il y a une personne qui vous protège, une personne qui vous guide actuellement dans tout ce que vous entreprenez. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune, nous avons les poissons et la cigogne. Alors ici, on vous parle d'abondance, on vous parle de récolte pour ce mois de mars. On peut nous indiquer que vous allez avoir la possibilité de mettre en place un projet. On vous parle plus particulièrement d'un projet indépendant. Ça peut être le fait de créer votre entreprise, de vous mettre à votre compte. En tout cas, vous allez ressentir un changement, vous allez ressentir une évolution. Et avec la lune, on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Il va y avoir beaucoup de messages à travers vos ressentis, vos intuitions. Mais ça peut être aussi des rêves qui vont vous apporter des informations importantes. Donc on va découvrir les messages. Pour commencer, nous avons les chemins, le soleil, le renard, nous avons la tour, la carte de l'ours, nous avons l'ancre, le cavalier, le serpent, le consultant, l'enfant, le lys, le cercueil, les oiseaux, la consultante et enfin nous avons la carte de la faux. Alors la carte du serpent ressort au centre. Alors cette carte peut nous indiquer effectivement qu'il y a une rivalité. Peut-être ici des personnes toxiques autour de vous, mais en tout cas on nous indique que pour ce mois de mars vous allez prendre de la distance avec cette énergie ou avec peut-être certaines personnes. Ça peut nous indiquer aussi que actuellement vous êtes dans une phase de transformation, dans une phase de changement. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer au fur et à mesure du temps. Vous allez aussi recevoir des nouvelles d'une personne. Par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, on nous indique que vous allez pouvoir prendre une décision qui va être très positive pour vous. Mais on a ici pour vous une forme de libération. Pour ce mois de mars, on nous indique que vous vous libérez d'un poids, de quelque chose qui jusqu'à présent vous ralentissait pour entreprendre de nouvelles actions. Il va y avoir aussi des communications avec une personne qui vont vous permettre d'y voir plus clair. En tout cas, ici, on nous indique que vous prenez un nouveau départ. On peut nous montrer aussi qu'il va y avoir des réponses concernant une structure, concernant un établissement. Ça peut être en lien avec des démarches que vous avez entreprises ou que vous entreprenez actuellement sur le plan financier. Il peut être question d'un investissement, d'une acquisition qui va pouvoir se concrétiser. On nous indique aussi une décision concernant peut-être ici des études par rapport à un enfant. Ça peut être en lien avec un établissement scolaire. Ça peut représenter votre enfant, mais ça peut être aussi en lien avec un enfant de votre entourage. En tout cas, la carte de la faux nous indique que vous allez pouvoir récolter de nouvelles choses. Il y a vraiment un désir pour vous d'exprimer ce que vous ressentez en vous, d'exprimer vos émotions à une personne.
On peut nous indiquer aussi des nouvelles importantes. Alors ici, ça peut concerner une procédure, ça peut concerner des démarches qui durent depuis un certain temps, peut-être depuis plusieurs années. Et on nous indique qu'actuellement, il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Vous allez pouvoir faire un choix qui va être très bénéfique, qui va vous permettre de retrouver du bonheur et de la joie. On peut aussi nous parler d'une transformation par rapport à votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle, mais ça peut être aussi une concrétisation qui arrive concernant votre carrière. On nous parle ici d'un entretien, on nous parle d'une conversation importante avec une personne. Et on nous montre qu'actuellement, vous faites le point. Alors ça peut être aussi une introspection, ça peut être le fait de prendre du recul, d'analyser les choses. On a aussi le consultant et la consultante. Donc ici, il y a un lien important avec une personne, que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental. On vous parle bien d'une décision qui va être libératrice, qui va vous permettre aussi d'y voir plus clair. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a une certaine rivalité avec une personne. Ça crée peut-être une certaine solitude, un isolement. Et on voit aussi que vous êtes très méfiant. Peut-être que vous êtes dans une période d'observation parce que vous avez vraiment envie de vous éloigner de ces énergies. Mais en tout cas, avec le cercueil, on nous parle bien d'une fin de cycle. On vous parle d'une renaissance qui va arriver à vous. On peut nous indiquer que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ici, ça nous parle d'une personne qui peut-être est plus âgée que vous. C'est une personne qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. C'est une personne aussi qui souhaite officialiser de nouvelles choses dans votre relation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de coupe et nous avons le 3 de bâton. Donc ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Ça peut être pour vous le fait de planifier, de pouvoir visualiser des changements pour le futur. Avec le 8 de coupe, vous allez ressentir une grande libération au niveau émotionnel. C'est un poids qui s'enlève justement par rapport à des choses que vous avez traversées dans le passé. Il peut y avoir actuellement une forte sensibilité, beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous, mais on vous indique vraiment que vous êtes prêt pour avancer vers une nouvelle étape de votre vie. Il peut être question aussi d'un voyage, d'un déplacement qui va être très bénéfique. En tout cas, vous avancez vers l'avenir, vous mettez en place de nouveaux projets. Alors, au dos du jeu, eh bien, on retrouve le 3 de bâton. Donc, ici, on voit une personne qui observe, qui prend du recul. Donc, vraiment, actuellement, vous êtes en train de planifier de nouvelles choses pour l'avenir. Vous avez à cœur peut-être de mettre en place de nouvelles actions et de pouvoir vous projeter justement vers le futur. Donc, nous avons le valet de deniers, le 9 de bâton, le valet de coupe, l'as de coupe, le 9 de coupe et nous avons le cavalier de deniers. Alors ici, on a l'as de coupe et le 9 de coupe. Donc, ça peut être ici un renouveau au niveau émotionnel, une réalisation, la réalisation d'un rêve, d'un souhait que vous avez depuis longtemps. En tout cas, vous allez ressentir énormément d'épanouissement dans vos relations, mais aussi dans votre cœur. Vous allez vous reconnecter à vos émotions. Il peut y avoir aussi un apprentissage, une formation concernant une passion, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur depuis longtemps. Il va y avoir un sentiment de satisfaction, un sentiment de plénitude qui va être présent. Le valet de coupe nous parle de douceur, d'innocence. Donc, il y a une énergie très douce qui vous guide actuellement. Et vous avez la possibilité aussi de vous sentir de plus en plus aligné sur votre chemin de vie. On voit quand même que vous prenez du recul, vous observez les choses. Avec le 9 de bâton, il peut y avoir aussi une certaine méfiance. Donc, c'est le fait aussi peut-être de vous protéger de certaines choses, de vous préserver également. Et le cavalier de deniers nous montre que vous faites les choses avec beaucoup de modération. Donc, il y a aussi un désir de vous perfectionner dans une activité, un désir de prendre en compte chaque détail.
On a quand même ici beaucoup de cartes de coupe, donc c'est relié à vos relations, c'est relié à votre cœur. L'as de coupe nous indique que la coupe est pleine, donc vous allez avoir la possibilité d'exprimer vos sentiments à une personne, de pouvoir ouvrir votre cœur. On peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre ou aussi d'un renouveau dans une relation. En tout cas, vous allez avoir la possibilité de vous projeter vers l'avenir, de visualiser les changements que vous souhaitez. Le valet de denier peut aussi nous parler d'un enseignement, donc ça peut être aussi vous qui allez transmettre, qui allez enseigner, mais ça peut être aussi vous qui allez recevoir de nouvelles informations. On vous indique que vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir encouragé. On vous parle de force, de détermination, donc c'est une énergie qui va énormément vous guider pour ce mois de mars. Il peut y avoir aussi des décisions importantes concernant un enfant, ça peut être aussi un adolescent, ou d'une manière générale une personne qui est plus jeune que vous. Mais ça peut être aussi vous qui vous connectez à votre enfant intérieur et à vos émotions. Le cavalier de denier nous indique que vous allez prendre le temps nécessaire. Vous n'allez pas vous précipiter, vous allez analyser les différentes options qui vont arriver à vous. En tout cas, ici on a un épanouissement, on a un rêve qui va pouvoir se concrétiser. Donc on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'addiction et nous avons la liaison secrète. Donc ici, on peut nous parler d'une relation assez mystérieuse, mais ça peut être aussi une relation que vous gardez secret pour le moment. Il y a peut-être une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre, mais on nous parle aussi d'un attachement très fort envers une personne. Il y a aussi quelque chose que vous n'avez pas encore exprimé pour le moment, peut-être quelque chose qui vous pèse actuellement. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune. Donc ici, on voit que vos intuitions vont énormément vous guider. Ça peut être aussi des rêves qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à votre vie sentimentale. Mais ça peut être aussi des messages que vous recevez dans vos rêves concernant la personne que vous aimez. Donc, nous avons la carte de la méfiance, l'amour envoûtant et passionnant, l'indépendance, l'égocentrisme, se faire ghoster, la carte de l'éloignement, la guérison, l'amitié sincère et je pense à toi. Donc ici, on vous parle de calme, on vous parle de sérénité. On voit vraiment que vous allez pouvoir avancer vers l'avenir, retrouver votre indépendance. Il y a peut-être un désir de prendre votre envol, de retrouver votre liberté. Mais on voit aussi que vous vous protégez de certaines choses. Il peut y avoir une certaine méfiance parce qu'il y a une personne dans le passé qui n'a pas tenu ses engagements. Et on voit vraiment que vous vous libérez d'un poids au niveau émotionnel. On nous indique que vous vous sentez énormément connecté à une personne. C'est une personne qui pense énormément à vous également. On vous parle de complicité, on vous parle de partage avec cette personne. Il y a en tout cas une relation qui est très puissante avec énormément de passion. Pour ce mois de mars, vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous aviez depuis longtemps concernant une situation du passé. Alors, on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Donc, nous avons le jeune homme superficiel, la carte des remords et nous avons l'amour charnel. Et au dos du jeu, nous avons l'invitation. Alors ici, il peut y avoir une rencontre lors d'une sortie, lors d'un événement à l'extérieur. En tout cas, on vous parle de sortie, de moment de partage avec une personne. Il va y avoir un rapprochement physique. Ici, on vous parle d'une connexion, on vous parle de passion. On peut nous parler d'une personne qui est très charismatique, qui parfois peut être un petit peu superficielle, mais c'est une personne qui prend énormément soin d'elle. C'est une personne que l'on voit tout de suite quand elle rentre dans une pièce. Et avec cette carte, on peut nous montrer que vous allez vous libérer d'un poids, vraiment de quelque chose qui a amené des blessures au niveau émotionnel. Ça peut être le fait justement que vous allez attirer de la nouveauté dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte des blessures, deviens maître de ta vie et nous avons la réconciliation.
Et au dos du jeu, on vous parle d'une transformation. Donc pour les personnes en situation de séparation, il va y avoir un renouveau, une transformation dans votre vie sentimentale. On voit que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Donc on peut nous parler d'une réconciliation, on peut nous indiquer que vous allez mettre en place de nouvelles choses qui vont être très bénéfiques. Mais aussi, on nous indique que vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vraiment exprimer ce que vous ressentez à la personne que vous aimez. Donc ici, on peut nous parler d'un pardon, excusez-moi les amis, ça peut aussi nous indiquer que vous allez faire la paix avec un événement que vous avez traversé dans le passé. Cette carte nous indique quand même que vous manifestez de nouvelles choses, vous êtes dans la visualisation, vous attirez de nouvelles choses vers vous. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, la première carte, nous avons « Décision équitable ». Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, on vous confirme que vous avez pris les bonnes décisions. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus de justesse, beaucoup plus d'alignement avec tout ce que vous vivez. Nous avons aussi le message « faire preuve de clairvoyance ». Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc ici, on peut voir que vous allez pouvoir observer, vous allez pouvoir prendre du recul et voir les choses sous un autre angle. On vous dit que la pause que vous vous accordez actuellement va être bénéfique. Vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous. Et nous avons aussi changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Donc ici, on a quand même des changements bénéfiques qui vont arriver à vous. On voit que vous allez rentrer dans un nouveau cycle de votre vie. On vous invite à être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, parce que c'est quelque chose qui va énormément vous guider. En tout cas, on vous confirme que vous êtes dans la bonne direction et que vous allez retrouver beaucoup plus de stabilité. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.